y a d'autres facteurs qui font que, bien qu'on ait installé tout ceci, on peut encore avoir l'inondation. Parce que tout ce qui est réalisé à Cotonou aujourd'hui, c'est pour, comment dire, drainer les eaux vers la mer. Mmh. On a trouvé, vous voyez, les collecteurs qui sont réalisés. Il faut vraiment féliciter le gouvernement pour ces réalisations-là. Parce qu'on n'est pas dans le schéma où on viendra dire, bon, rien n'est fait et autre, là, non. Ces collecteurs, effectivement, vont drainer les eaux vers la mer. Et le spécialiste de la gestion a dit, non seulement il y a ces grands collecteurs-là, il y a des collecteurs annexes qui vont drainer les eaux vers les grands collecteurs. Donc, c'est un système qui est réalisé. Alors, si c'est un système, ce qui est réalisé dans ces quartiers-là, vous allez voir que, si vous prenez Cotonou, le fonctionnement, ce n'est pas que ces quartiers. Si vous venez à Verdecor ici maintenant, on veut réaliser un échangeur à Verdecor. Mm-hmm. Les actions qu'on va poser là, c'est sûr que ça aura des répercussions sur cet ensemble qui est déjà réalisé là-bas. Évidemment. Donc il faut, en matière d'aménagement, on dit que c'est une politique volontariste et concertée. On ne fait pas les actions isolées. Mm-hmm. Donc il faudrait que ça soit dans un réseau. Donc tout ce qui est fait là, il faudrait en tenir compte lorsqu'on veut faire des actions ailleurs. Et c'est là notre rôle à l'université. Nous voyons à cela pour dire attention, on a déjà posé une action ici, il faut en tenir compte pour l'autre. Donc nous allons le faire parce que si on ne le fait pas, on va rester là à critiquer, on ne fera rien et les populations seront toujours dans l'eau. Ilham Tioki a comparé un peu avec 3CI. On a commencé avec ça, ça n'a pas eu satisfaction. Au moins avec ce qui est fait là, on ressent quand même qu'il y a une évolution dans le règlement de ces problèmes d'inondation à Cotonou. Mais nous allons toujours continuer parce que le grand problème, c'est les changements climatiques. C'est les changements climatiques. Parce que j'ai démontré tout à l'heure que tout ceci, c'est pour drainer les eaux vers la mer. Mais si le niveau de la mer augmente, les eaux ne pourront plus rentrer. Alors que nous posons des actions, en dehors de ces exutoires-là, nous posons des actions qui vont augmenter le niveau de la mer. Ouais, donc c'est tout un ensemble qu'il faut prendre en compte pour qu'on puisse vraiment maintenir ce qui est fait là et que la population soit ait les pieds vraiment secs à Cotonou.